Убьет, гляди. Пойдем поищем службы на себе. К Владимиру Ярославичу, князю Галицкому. Thank you.
Thank you.
вовсе не в плену, о свадьбе и думать не велит он. Вот как? Нет, мой отец добрее, меня сейчас он выдаст за тебя. Уйди отсюда, сюда идут. Я слышу шаги, то мой отец. Yeah.
почить плену бесплодно и знать, что враг терзает Русь. Враг зовет и мать, стонет Русь в когтях могучих, и в том винит она меня. Доброму слове я на тебя обиды
здесь не знаю, и рад бы сам вам тем же отплатить. А все ж в неволе не житье, ты плен когда-то сам и себе. Отпущу тебя на родину домой. Дай только слово мне, что на меня меча ты не поднимешь, и мне дороги не заступишь. Нет, не тоже князь лгать, скажу тебе я прямо без утайки, такого слова я не дам. Лишь только дай ты мне слово, какие я слова соберу, и на тебя
Thank you.
Vous venez de voir le premier acte du Prince Igor d'Alexander Borodine dans la mise en scène de Yuri Lyubimov et sous la direction de Vassili Sinaïski. Ici, au Bolshoï à Moscou, c'est à présent l'heure de l'entracte, une pause d'une trentaine de minutes durant laquelle je souhaite tout d'abord revenir quelques instants sur l'histoire architecturale de ce théâtre. Le Bolshoï a réouvert ses portes en 2011 après 6 ans de travaux. Un chantier colossal qui aura coûté plus de 500 millions d'euros et nécessité la présence de 3000 ouvriers. Une soirée d'inauguration prestigieuse en octobre 2011, un gala réunissant les plus grands chanteurs, Nathalie Dessay, Angela Georgiou, Dimitri Horotowski ou encore Violetta Urmana. Un gala prestigieux pour un théâtre qui ne l'est pas moins. Il faut rappeler d'ailleurs que Bolshoï en russe signifie grand et cela résume bien la place qu'occupe le théâtre moscovite en Russie. Pour autant, le Bolshoï n'en était pas à sa première rénovation. Le théâtre a au contraire connu une histoire architecturale particulièrement mouvementée. Le premier édifice théâtral à être construit sur ce site remonte à 1776. Le but était de concurrencer l'offre artistique de Saint-Pétersbourg. Malheureusement, cet édifice a connu une existence très limitée. Elle a été rapidement ravagée par les flammes. Le chantier de reconstruction du Bolshoï est alors confié à Ossip Bové. Ossip Bové, c'est l'architecte qui a planifié toute la reconstruction de Moscou après l'incendie de 1812, une reconstruction à la fois architecturale et également le point de vue de l'urbanisme. Ossip Bové, pour cette reconstruction, s'est associé à Andrei Mikhaïkov, mais là aussi, le scénario se répète. Le théâtre brûle très rapidement. Seuls sont conservés les murs extérieurs et le portique. Le théâtre que l'on connaît aujourd'hui, le Bolshoï que l'on connaît, remonte en fait à 1856. C'est un ouvrage construit par Alberto Cavos. Alberto Cavos, qui était l'architecte également du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le Mariinsky, le rival légendaire du Bolshoï. Alberto Cavos livre ici un ouvrage monumental, et cela dès l'extérieur, avec une façade très solennelle, néoclassique, rythmée par 8 colonnes, un fronton également dans la grande tradition des théâtres lyriques, mais surtout ce quadrige d'Apollon, ce grand char devenu le symbole mondial du Bolshoï. Par ailleurs, on retrouve la même démesure à l'intérieur. La salle a longtemps pu accueillir près de 2000 spectateurs, aujourd'hui 1700 pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, la salle du Bolshoï propose un plan assez hybride, très intéressant d'un point de vue architectural, mêlant le plan fer à cheval à la forme en U. Cette salle en rouge et or est fastueuse, mais également, ce qui est fastueux au Bolshoï, c'est ce qui est les espaces publics en dehors de la salle, par exemple le foyer où je me trouve actuellement, en est un très bel exemple. Seul l'escalier reste plus modeste, loin de l'extravagance, par exemple, de l'escalier du Palais Garnier. Le but de la rénovation, de la récente rénovation du Bolshoï, a été de restituer le théâtre dans son jus originel, bien sûr, mais également d'améliorer l'acoustique du lieu. En effet, pendant la période soviétique, du béton avait été incrusté sous les fauteuils de l'orchestre. Vous imaginez bien que d'un point de vue acoustique, cela a été gravement dommageable. Heureusement, des améliorations acoustiques, mais également, à travers cette rénovation, une amélioration des conditions de travail des artistes du Bolshoï. Une salle de répétition a été installée sous la toiture de l'édifice. Une salle de répétition qui reprend les mêmes dimensions que la scène principale. Et par ailleurs, au 6e sous-sol, c'est vous dire le gigantisme de l'édifice, au 6e sous-sol, prend place une salle modulable qui permet également différentes activités. Vous voyez donc un outil prometteur que permet et qu'a permis cette récente rénovation du Bolshoï avec un seul but, allier la tradition et la modernité. Tout de suite, je vous propose, avant de retrouver la suite du Prince Igor de Borodine, de voir un joyau du répertoire russe, mais un joyau chorégraphique, Les Flammes de Paris, un ballet de Boris Afassiev sur une chorégraphie originale de Vassili Vainonen, l'occasion d'apprécier tout le talent des étoiles et du corps de ballet du Bolshoï. C'est un enregistrement qui date de 2006, capté donc ici même au Bolshoï à Moscou. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour le deuxième acte du Prince Igor de Borodine. Thank you.
Nous voici de retour en direct du Bolchoï à Moscou. Dans quelques instants, la suite du Prince Igor d'Alexander Borodine. Mais auparavant, j'aurais voulu revenir quelques instants sur la programmation musicale artistique du Bolchoï. Tout au long de son histoire, le Bolchoï a accueilli les premières d'ouvrages phares du répertoire lyrique russe. Le Voïvode de Tchaïkovski, Aleko de Rachmaninov ou encore Guerre épée de Prokofiev. On n'en citait que quelques-uns. Mais surtout, peut-être plus que l'opéra, c'est la danse qui a toujours été à l'honneur et qui a occupé une place primordiale historique au Bolchoï. Il faut par exemple savoir que c'est dans ces murs qu'a été créé le ballet peut-être le plus fameux au monde, le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. D'ailleurs, aujourd'hui toujours, les places pour la danse sont plus chères que les places pour l'opéra. Par ailleurs, nombre de congrès de l'international socialiste. Quant à Staline, il ne manquait jamais la première d'une nouvelle production. Il avait sa loge à l'avant-scène, juste au-dessus de la fosse d'orchestre. Aujourd'hui, le Bolchoï dépend directement de la présidence de Russie. Et le théâtre emploie pas moins de 3000 personnes, dont un millier d'artistes, chanteurs, danseurs et instrumentistes. Une chose est sûre, le Bolchoï reste une des scènes les plus convoitées au monde. Tout de suite, le deuxième acte du Prince Igor d'Alexander Borodine, dans la mise en scène de Yuri Lyubimov et sous la direction de Vassily Sinaïski. Я забыл, куда... Ой, ой, ой!
Thank you.
С тех пор со всеми, как со мной, строго ты и сурово, уже ли никого ты втайне не ласкаешь, уже ли Игорю верна ты? Отверну, кроме отцу, старич,
is all. Я девку освобожу. И заберу себе другую.
дружины с моим полком не пал. Зачем ты, смерть, очей мне не закрыла? Я тихо спал бы без сна. Love, fear, love, love.
Thank you.
Князь! Князь!
Le public ici au Bolchoï à Moscou fait une ovation debout pour...